Vous êtes là pour quelque chose de spécial. Je dis gloire à Dieu. Je souhaite la bienvenue à chacun de vous pour notre culte spécial d'aujourd'hui au nom de Jésus. Il semble que vous êtes prêts pour quelque chose de spécial, quelque chose d'inoubliable. Et cela se produit dans ma vie aujourd'hui. Cela se produit dans ma famille aujourd'hui. Un grand réveil dans notre église. Cela a commencé et je prie que tu seras connecté. Quelqu'un là-bas, je dis tu seras connecté. Je vois tes mains, vos mains debout, à l'air, Père, au nom de Jésus. Nous prions qu'il y ait la connexion avec tout le monde depuis le ciel aujourd'hui au nom de Jésus. Aide-nous à voir Jésus comme de nouveau et à voir tes promesses de nouveau et à voir nos vies renouvelées comme nous te suivons et accomplissons ce qui est écrit concernant le Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Quelque chose se produit déjà dans toutes les vies. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu t'a dit à bénir, tu peux t'asseoir. Je viens dans Hébreux chapitre 10, le verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je veux que vous considérez les mots qui sont mis entre parenthèses, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Quand vous considérez la vie de Jésus-Christ, comme vous considérez son ministère également, et vous parlez de sa mort, et que vous pensez aussi à sa résurrection, maintenant vous parlez maintenant de son ascension et de sa glorification, son exaltation. Jésus-Christ notre Seigneur, sa vie, sa mort, son ministère et tout ce qui lui concerne ce n'était pas par hasard. Ce n'était pas une chose circonstancielle, ce n'était pas accidentel, ce n'était pas quelque chose qui se produisait seulement par hasard, mais tout était bien planifié et tout ce qui a été écrit, tout a été écrit, le concernant était écrit, non par accident. Il savait ce qui était écrit lui concernant et il a accompli tout ce qui le concernait. Vous voyez cela? Dans ce même verset, j'ai dit, voici je viens. Comme il dit je viens, à partir de ce temps-là, j'entre depuis que je suis venu dans ce monde, j'ai compris que dans tous les détails, toute phrase me concernant, j'ai pris connaissance de cela. Tout chapitre me concernant, j'ai pris connaissance. J'ai compris la face que ma vie prendra. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dieu est le chef planificateur. Et comme vous regardez Jésus-Christ, nous parlons de lui, nous consacrons nos vies à l'œuvre, à marcher dans ses pas, dans ses traces. Vous devez comprendre que comme la vie de Jésus-Christ a été planifiée d'avance, bien planifiée à l'avance, ta vie, votre vie a été déjà planifiée par Dieu. Je dis, ta vie a déjà été planifiée par Dieu. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas seulement pour Jésus-Christ, ce n'est pas l'apanage de Christ seulement. Pensez à Josué, pensez à Salomon, pensez à Josias, pensez de Cyrus, pensez à Jérémie, pensez à l'apôtre Paul et bien d'autres encore. Avant qu'ils viennent dans ce monde, sur la scène de la vie, avant qu'ils ne commencent à faire ce qu'ils devaient faire, c'était écrit d'avance les concernant.
Et ceci, cela est ainsi pour Christ. Et cela, si cela était ainsi pour ces hommes dont nous avons mentionné, et que cela est ainsi pour tout homme, tous les hommes, tous les personnages de la Bible, cela est écrit me concernant, concernant. Vous pouvez aussi l'affirmer que cela est aussi ainsi pour vous. Votre vie n'est pas un hasard. Vous êtes ici aujourd'hui. Votre présence ici, ce n'est pas par hasard. Votre présence, votre venue dans cette église, ce n'est pas par hasard. Votre vie, ta vie est bien planifiée d'avance par Dieu. Vous voyez cela dans Exode chapitre. Exode chapitre 17, le verset. Exode chapitre 17, le verset 13. Exode chapitre 17, verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Amalek a été défait, vaincu. Et Dieu a dit, pour souvenir, pour raison de mémoire, écrit Moïse et répète cela aux oreilles de Josué, afin qu'après ton départ, qu'ils se souviennent que voici, je suis venu maintenant, j'ai pris maintenant la place de Moïse et je suis venu pour accomplir ce qui a été écrit me concernant. Ta vie est bien écrite dans les annales de Dieu. Tu vas accomplir la mission, ce qui est écrit te concernant. Si tu dis amen, si tu n'es pas amen, je ne veux pas cesser, de continuer. Voyons 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel 7, 12. Quand les jours, tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, Salomon n'était pas encore né, mais cela a été écrit concernant Salomon. Et dit, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Cela a été écrit concernant Salomon. David, tu ne vas pas bâtir le temple. Quelqu'un d'autre va l'accomplir. Quelqu'un vient, arrive. C'est un enfant qui sortira de toi. Écris cela. Mets cela par écrit. Tu ne seras pas, tu ne vas pas construire la maison. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est celui-là qui va bâtir la maison, le temple. Et Salomon n'était même pas encore né. Et plus tard, il est né. Et quand Salomon fut né, il a su que cela était écrit le concernant. Il dit, et s'il devait faire quelque chose, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il devait réaliser, et s'il n'avait pas accompli ce qui a été écrit concernant sa vie, tout son temps serait perdu. Mais ce qui est, quelque chose est écrit me concernant. Un roi, chapitre 13, versets 1 et 2. Voici un homme de Dieu. Arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria, voyez cela maintenant, voyez la suite, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Il n'est pas encore né, mais il est écrit. Il est écrit dans les annales concernant ce fils qui va naître. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Quel est son nom? Je dis, quel est son nom? Quel est ton nom? Quelqu'un va accomplir ce qui est écrit le concernant avant qu'il ne soit né dans ce monde. Tu es l'homme dont je parle. Tu es la femme dont je suis en train de parler aujourd'hui. Ta vie est une vie
motivée, une vie orientée vers le but. Ta vie a déjà été planifiée avant le temps. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'homme brûlera sur toi des ossements d'hommes. Cela a été spécialement écrit pour lui. Ésaïe chapitre 44. Ésaïe 44, 28. C'est le dernier verset. Ésaïe 44, verset 28. Dit à Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Ici encore, il n'était pas encore cet homme. Bien qu'il soit un païen, il fut un païen, il était un roi païen. Mais et pourtant, sa vie a été déjà planifiée pour lui. Il dit, je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Et il poursuit dans le chapitre 45. Cela est très important. Chapitre 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, qui est loin de l'Éternel, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai, verset 2, je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. En réalité, il parle à Cyrus, mais aujourd'hui, il s'adresse à toi. Je dis, il s'adresse à moi. Vous pouvez être dans des endroits, il dit, je marcherai devant toi. J'aplanerai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins. Et je briserai les verrous de fer. Verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Cela veut dire, il a dit à Cyrus, il n'était pas encore né. Et il dit, j'ai déjà planifié ta vie. Voici, ceci est déjà écrit avant que tu ne sois né. Et comme tu viens dans le monde, tu vas accomplir ce qui est écrit te concernant. Tous les trésors dont tu as besoin, tous les matériels, l'équipement dont tu as besoin pour réaliser ta mission, il va y pouvoir. Des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Regardez ceci, regardez la suite. Je t'ai parlé avec... Lisez-moi la suite de la phrase. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Vous voyez? Peut-être tu peux dire, je ne connais pas toute la Bible, je ne connais pas toutes les expériences, je n'ai pas ceci encore. Mais tu sais, avant que tu ne connaisses toutes ces choses, Dieu avait déjà planifié ta vie pour toi. Ta vie ne sera pas désorganisée. Ta vie ne sera pas une vie confuse, confondue. Jérémie, je lis le chapitre 1. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, je t'avais mis à part. Et je t'avais établi prophète des nations. Cela était écrit avant que Jérémie soit né. Il dit, voici le plan de Dieu. Ça a été planifié par Dieu. Et maintenant, nous venons dans Actes chapitre 9. Actes des apôtres, chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 15. Il dit dans le verset 15, mais le Seigneur lui dit, parlant à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Es-tu là? Est-ce qu'il s'adresse à toi là-bas? Est-ce que tu es en train de comprendre que ta vie, à partir de maintenant, sera une vie bien planifiée?
ce sera une vie heureuse, une vie qui est orientée vers un but au nom de Jésus. Et puisque Dieu a marqué ta vie, Dieu a scellé ta vie et il a dit à structurer ta vie, et il dit, va, je t'ai amené dans ce monde, je t'ai fait naître, je t'ai amené dans le royaume, je t'ai amené dans cette église pour un but, et je vais accomplir mon but dans ta vie. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai. Il n'a pas encore montré. Il dit, il ne connaît pas encore les endroits où il ira. Je lui montrerai. Il ne connaît pas encore les détails de sa mission. Je lui montrerai. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. De toutes les écritures que nous venons de lire, vous pouvez dire, affirmer que Dieu a son plan pour ses enfants, pour son fils bien-aimé. Et Dieu a aussi son plan pour ses enfants et ses filles, ses fils et ses filles. Christ savait, et les croyants qui nous ont devancés savaient que leur vie sur la terre n'était pas un hasard, un accident. Ils ont accompli ce qui était écrit personnellement, les concernant personnellement. Ils ne suivaient pas la foule, ils ne disaient pas parce qu'il est en train de faire ceci, je dois faire ce qu'il fait. Non, personnellement, ils ont compris que leur vie était planifiée par Dieu de façon objective. Ils savaient que voici mon but, voici ma cible à atteindre, voici ma destination. Maintenant, ils avaient compris que voici le but pour lequel je suis né dans le monde. Voici la raison pour laquelle je suis né de nouveau. Et ils ont suivi ce qui était écrit les concernant de manière objective. Ils ont suivi ce qui était écrit les concernant avec la prière. Ils disent, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seulement, ce n'est pas la grâce du Seigneur qui peut me conduire tout au long du chemin. Et je veux suivre le plan de Dieu. Je veux suivre le plan de Dieu et accomplir le plan de Dieu. Personnellement, objectivement et dans la prière, et je vais l'accomplir promptement, comme je sais maintenant que ma vie est planifiée d'avance pour moi. Il n'y a plus de temps à perdre parce qu'il savait que Dieu connaît tous les temps, les années que je vais passer pour accomplir. Si je dois accomplir cela maintenant, est le jour que je dois commencer du commencement. Aujourd'hui, c'est le jour du commencement d'une nouvelle ère dans ta vie. Promptement, ce n'est pas seulement cela, ils l'ont fait de façon présentement. Il y avait avec joie, avec plaisir, ils ne se plaignaient pas. Seigneur, si tu dois faire ceci, qu'en est-il de celui-ci, qu'en est-il de celle-là? Ils ne se plaignaient pas pour dire, si tu dois accomplir cette mission, pourquoi ce fardeau? Pourquoi ces défis de ma vie? Pourquoi ces obstacles? Si tu dois accomplir la mission, pourquoi lui? Qu'en est-il de lui? Non, ils ont fait cela avec plaisir. Comme ils ont encore accompli l'œuvre du Seigneur avec passion, passionnément. Vous pouvez le constater comme il courait, la manne dont il court. Vous pouvez le voir comme il marche. Vous pouvez voir dans l'exécution, dans ce qu'ils font. Ils l'ont accompli avec toute la passion. Parce qu'ils ont dit, il n'y a plus d'autres personnes qui puissent faire ce qu'ils font. Il n'y a pas de personne qui doit accomplir ma mission. Cela a été marqué, dessiné par Dieu, conçu par Dieu. Ils l'ont fait passionnément. Ils ont accompli cela de manière persévérante. Même lorsqu'ils étaient fatigués, ils se disent, non, je ne dois pas être fatigué maintenant, je dois accomplir, je dois achever. Tu ne peux pas être fatigué, tu dois achever. Tu vas achever ta mission. Et comme ils ont persévéré et ils ont poursuivi. Ils savaient que toute la grâce dont j'ai besoin, toute la force dont j'ai besoin, Dieu pourvoira. Parce que voici le chemin que le Seigneur a tracé pour moi. Il a balisé un chemin pour moi. Et tout ce qui a été écrit pour moi, avant que je sois né, je dois l'accomplir. Ils l'ont accompli dans la persévérance. Ils l'ont accompli progressivement. Ils ont gravi l'étape numéro 1, l'étape numéro 2. Et ils ont progresser d'étape en étape. L'étape 3, examiner toute la Bible, vérifier leur vie, leur personne, vérifier la vie de Jésus-Christ. À l'âge de 12 ans, il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? C'était là. Et lorsqu'il fut âgé de 30 ans, et il vint au Jourdain, au fleuve de Jourdain, Jean-Baptiste a dit, tu es celui qui doit me baptiser, et toi tu viens à moi. Il dit, laissons, accomplissons ce qui est juste pour accomplir toute justice. Laissons et accomplissons. Et tous les miracles, le salut, tous les miracles, j'allais dire,
et s'en va vers Jérusalem. Et lorsqu'il allait à Jérusalem, il a la croix, il dit, tout est accompli. Vous voyez, dans ta vie, dans votre vie, Dieu a un but pour toi, il y a un plan pour ta vie. Et cela a été écrit te concernant. Tu vas l'accomplir progressivement. Ils ont accompli la volonté de Dieu et ils ont accompli ce qui était écrit les concernant personnellement. Ils l'ont accompli objectivement. Ils l'ont accompli dans la prière. Ils l'ont accompli promptement. Ils l'ont accompli de façon primaire. Ils ont accompli prioritairement pour dire voici ma priorité. Ils l'ont accompli prioritairement pour dire vous n'êtes pas en train de battre le vent, vous n'êtes pas en train d'aller de diambler de gauche à droite, non, vous n'essayez pas, vous focalisez votre attention, vous braquez votre attention sur ce que vous devez faire. Ils l'ont accompli de façon prioritaire, avec plaisir, avec persévérance et progressivement. Ils l'ont accompli spécialement. Tu es spécial. Regardez Josué. Personne ne peut accomplir cela. Quelqu'un ne peut pas faire cela. Voyez cela, il n'y a pas de compétition avec Josias. Regardez le temple que Salomon a bâti. Il n'y avait pas de comparaison avec quelqu'un d'autre. C'était particulier à leur vie. Voici ma mission sur la terre. Dieu merci, tu as une mission sur terre. Ta vie ne sera pas une vie vide. Ta vie ne sera pas une vie inutile, indigne, sans valeur. Ta vie ne sera pas inutile. Et alors, ils l'ont accompli prioritairement. Ils l'ont accompli en privé et publiquement. Voici dans le privé, voici ce que je vais faire. Et maintenant, regardez, rencontrez-les dans le privé. Ils savaient ce qu'ils voulaient accomplir. Et en public, ils savaient ce qu'ils devaient accomplir. Et ils savaient ce qui était écrit pour eux avant. Ils l'ont accompli en public et en privé. Revenons maintenant, vous comprenez maintenant. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 7. Alors je dis, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je veux que vous ouvriez Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 37. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Un but, une destinée, un objectif, une destinée me concernant, les choses qui me concernent viennent sur le point de s'accomplir. Luc chapitre 24, le verset 44. Luc chapitre 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait, voyez cela, examinez cela, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes. Et dans les psaumes me concernant, je dis me concernant, les choses qui concernent Christ ont été accomplies. Et maintenant, 1 Pierre 2, 21. Il dit dans le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Vous savez ce que cela implique? Il a découvert ce qui est écrit le concernant. J'ai découvert ce qui est écrit me concernant. Et comme il a marché dans les pas de ce qui est écrit, dans les traces de ce qui est écrit le concernant, maintenant je marche dans les traces de ce qui est écrit me concernant.
Et alors, tu peux dire à la fin de la vie, je sais que je suis venu pour accomplir ta volonté, comme cela est écrit me concernant. Aujourd'hui, nous considérons le message suivre et accomplir ce qui est écrit concernant Christ. Suivre et accomplir ce qui est écrit concernant Christ. Trois points dans ce message. Numéro 1, l'accomplissement objectif de ce qui est écrit concernant Christ. Il est venu pour l'accomplir. Et il savait que cela est écrit me concernant. Et objectivement, il a accompli ce qui est écrit le concernant. Point numéro 2, suivre passionnément ce qui est écrit concernant l'appel. Le chrétien est appelé, un appelé, les appelés, ce n'est pas seulement un appelé. Le point numéro 2, suivre passionnément ce qui est écrit concernant les appelés. Point numéro 3, découvrir personnellement, vous devez le chercher, sonder, vous ne pas permettre à votre vie d'être flottant par-ci par-là, flottante, vous ne devez pas permettre à votre vie d'être dans les méandres, vous n'allez pas permettre à votre vie de tourner tout autour du pot, votre vie ne doit pas tournoyer. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est ce que tu vas faire. C'est ce que je vois les autres faire. C'est ce que je vois, ce que les autres font que je fais. Non, c'est découvrir personnellement ce qui est écrit concernant le conquérant, le vainqueur. Découvrir personnellement ce qui est écrit concernant les vainqueurs. Le vainqueur, j'ai les vainqueurs dans la maison aujourd'hui. Je dis, j'ai des conquérants dans la maison aujourd'hui. Et tu dois découvrir ce qui est écrit te concernant le conquérant. Et c'est ce que tu vas faire. Toi. Moi. Tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Numéro 1. Suivre objectivement. Accomplir objectivement ce qui est écrit concernant Christ. Ésaïe 50. Verset 5. Ésaïe 55. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi, regardez cela, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. J'ai rendu mon visage comme un caillou, un diamant. Je me suis focalisé sur seulement une seule chose. J'ai suivi objectivement sur une seule, dans une seule direction, et j'ai rendu mon visage comme un caillou. En réalité, cela était écrit concernant le Christ. Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Vous voyez cela? Quand vous comparez ce verset avec Ésaïe, chapitre 50, le verset 7, il a rendu son visage comme c'est comme si vous réglez votre montre, c'est comme si vous réglez votre temps, c'est comme vous réglez le compas, c'est comme si vous réglez la boussole pour suivre une direction. Vous allez prendre la bonne direction de la vie. Je dis, vous n'allez pas prendre les mauvaises directions. Et les gens ne vont pas vous trimballer de ci, de là. Mais vous allez prendre la bonne direction au nom de Jésus. À la fin de ta vie, tu seras heureux. Tu seras accompli. Tu vas regarder toutes choses en arrière. Et l'Esprit de Dieu va dire dans ton cœur pour dire, Jésus-Christ, comme il a marché et il a accompli les pas, il a suivi et accompli ce qu'il devait accomplir. Tu vas accomplir aussi ce que tu dois accomplir. Luc chapitre 4, le verset 17.
Luc chapitre 4, le verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Regardez ceci, regardez ceci. L'ayant déroulé, dites-moi la suite. Il trouva l'endroit où il était écrit. Vous allez trouver l'endroit où il était écrit pour vous. Il a pris le livre et il dit, il y a quelque chose qui ici écrit me concernant. Et il a découvert l'endroit où c'était écrit le concernant. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est ce qui est écrit le concernant. Cela a été écrit le concernant. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé de lieu en lieu faisant du bien et libérant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Parce que l'endroit où il a découvert l'endroit où c'était écrit le conseil, tous ces détails, il dit, ceci était écrit me concernant, il a exactement accompli. Il n'était pas préoccupé des pharisiens, il ne s'était pas occupé de choses traditionnelles, mais il s'est focalisé sur ce qui était écrit le concernant. Le verset 19, et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveux le recouvrement de la vue, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un qui est imbu et quelqu'un de si concentré. Ils n'avaient jamais rencontré un homme tellement engagé, qui s'est engagé à l'appel prioritaire de sa vie. Ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un qui puisse découvrir l'endroit où c'était écrit le concernant. Mais il l'a découvert et il l'a lu pour eux. Maintenant, le verset 21. Alors, il commença à leur dire, dites-moi la suite. Aujourd'hui, vous allez commencer une vie objective aujourd'hui. Le temps de déambuler et tournoyant par-ci, par-là, ce temps a pris fin depuis hier. Ce temps a expiré hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour dans ta vie. Et tu peux dire aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Cela sera accompli dans votre vie. Luc chapitre 18. Nous lisons le verset 31 de Luc 18, parlant de Jésus-Christ. Il a accompli objectivement ce qui était écrit le concernant. Luc chapitre 18, le verset 31. Et il nous dit dans ce verset 31 de Luc 18, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme, il dit, nous allons à Jérusalem, quel que soit ce qui va se passer là-bas, que cela ne vous surprenne pas, que cela ne vous choque pas, ne soyez pas touchés, pourquoi, ne vous demandez pas pourquoi ceci va se passer, parce que tout ce qui se produit dans la vie de Christ avait été écrit auparavant. Et il a su, il le savait. C'est pourquoi il dit dans le livre, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et alors il dit, tout ce qui est écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Gloire à Dieu. Vous savez, une telle personne n'aura pas d'anxiété dans sa vie. Une personne de ce calibre n'aura pas de soucis dans sa vie. Une pareille personne n'aura pas de pression dans sa vie. Il sait que dans toute chose, tout ce qui est écrit va s'accomplir. Tout ce qui n'est pas écrit me concernant ne peut pas s'accomplir. Cela est vidé de ma vie. Cela est écarté de ma vie. Mais tout ce qui n'est pas écrit te concernant ne va pas s'accomplir. Tout ce qui n'est pas écrit te concernant, les mauvaises choses, les choses maléfiques, tout ce que le diable a fabriqué lui-même ce matin pour dire, ah, regarde cet homme, il est en train de faire du progrès, et alors il est en train de vouloir réaliser quelque chose. Dieu va vérifier dans ses récits, dans ses annales,
tout ce qui n'est pas écrit te concernant, cela ne sera pas accompli, ne va pas s'accomplir au nom de Jésus. Verset 32, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Je pensais que j'allais avoir un amen là-bas. Ce qui est écrit d'avance, dans les temps d'avance. Luc chapitre 21, verset 22. Luc chapitre 21, verset 22. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce... Pour l'accomplissement de quoi? De combien de choses? De combien? Pour combien de choses? De tout ce qui est écrit. De tout ce qui est écrit. Tout ce qui vient en dehors de cela, en parenthèse, c'est la parenthèse. Tout ce qui vient en dehors de cela, c'est mis en parenthèse. Et de tout ce qui est écrit doit s'accomplir. Laissez-moi vous montrer un peu dans Psaume 22. Psaume chapitre 22, le verset 1. Les choses qui sont écrites. Psaume 22, verset 1. Tout ce qui est écrit concernant Christ, c'est des choses qui doivent s'accomplir. Ce sont des choses qui doivent s'accomplir. Ce qui est écrit au ciel te concernant, ce sont les choses qui doivent s'accomplir. Je dis, il s'agit là des choses qui doivent s'accomplir. Y a-t-il une chose que les démons ont fabriquée, produit de l'homme? Cela n'est pas dans les annales de Dieu. Cela n'est pas dans les archives de Dieu. Tout ce que l'ennemi a fait pour dire non, nous voulons juste fabriquer ce, ceci ne fait pas partie des choses qui sont écrites dans les archives de Dieu. Cela ne va pas s'accomplir. Ta vie sera libre. Toutes les chaînes et les fers seront brisés. Et tu iras dans la direction de tout ce qui est écrit te concernant. Psaume chapitre 22, le verset 1. Psaume chapitre 22, le verset 1. Verset 2, Louis II. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous souvenez de Jésus? Jésus a dit cette phrase à la croix du calvaire. Parce que pourquoi? C'était écrit et il est venu l'accomplir. Verset 7, dans le verset 7. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et le donnera puisqu'il aime. Ouais, les moqueries, tout ce que les gens disaient. Jésus n'était pas surpris. Quand ils se sont moqués de lui, il n'était pas surpris. Lorsqu'ils ont tenté de le blesser, il n'était pas surpris. C'était écrit le concernant. Et parce que c'était écrit, puisque c'était écrit, cela ne va pas te surprendre. Dans le verset 16. Verset 16. Ma force se dessèche. Verset 17. Dans Louis II français. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'était écrit. Il dit, tout ce qui est écrit me concernant doit s'accomplir. Voyons le verset 18. Verset 18. Je pourrais compter tous mes os. Verset. Et eux, ils observent, ils me regardent. Ils partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ils l'ont fait parce que c'était écrit. Ce qui n'est pas écrit dans ta vie ne peut pas s'accomplir. C'était écrit pour lui, c'était écrit. Et Jésus a su qu'il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de larmes. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi les choses se passent ainsi? C'était écrit. Et par la grâce de Dieu, nous allons te voir à la fin du voyage. Je dis, il va t'accompagner. La grâce du Seigneur va t'accompagner, va te soutenir. Mais maintenant, ce n'est pas la fin. Le verset 27, le verset 28 français. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Il savait que cela allait s'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit, Pour la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix. Parce qu'il savait que la croix n'était pas la fin. La couronne était la fin, la finalité. Et finalement, il a accompli.
je vais accomplir, je vais achever ma course. Je dis, je ne serai pas fini, mais je vais achever. Tu ne seras, rien ne pourra finir ta vie. C'est toi, rien ne pourra nuire à ta vie. Mais tu vas achever. Dans Jean, Jean chapitre 9, Jean 19, Jean 19, 30, Jean 19, 30, Jean 19, 30, Jean 19, 30. Jésus, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit quoi? Dites, je n'entends pas mon église. Il dit quoi? Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il dit, c'est fini. Toute phrase écrite me concernant, c'est accompli. Tous les détails de ma vie, c'est accompli. Tout ce qui était écrit, que je vais accomplir à ma première venue, c'est fini, c'est accompli. Et il baissa la tête en soumission à Dieu, il rendit l'esprit et il se rendit au ciel. Christ a objectivement accompli tout ce qui était écrit le concernant. Il, son cœur, sa pensée, ses yeux, son attention était rivée sur ce qui était écrit. Il ne s'est tourné ni à droite ni à gauche. Il a plu au Père parfaitement et en parole et en action, en pensée et dans les actions, et dans son attitude et dans son comportement. Avant la crucifixion et sur la croix, toutes choses et en toutes choses, à travers sa vie terrestre, il a mené sa vie pour accomplir ce qui était écrit le concernant. Et comme il a quitté, il nous a laissé cet exemple, ce modèle pour toi et pour moi. Il est un exemple parfait. Le point numéro 2 maintenant, suivre passionnément ce qui est écrit concernant les appelés. Nous voyons dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés par Dieu. Il t'a appelé à la repentance. Dieu merci, tu t'es repenti. Il t'a appelé au salut. Dieu merci, tu es sauvé. Et il t'a appelé à la sainteté. Dieu merci, tu es saint par sa grâce. Il t'a aussi appelé au royaume. Et tu es dans le royaume. Et ta place est dans le royaume. Ta place dans le royaume ne sera pas vide au nom de Jésus. Et c'est à cela que vous avez été appelé. La paix de Dieu. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Afin que vous suiviez, afin que, dites-le moi, afin que vous suiviez ces traces. Vous suiviez ces traces. Qu'est-ce que cela implique? Cela veut dire, est-ce que cela veut dire, ce qu'il a mangé, je vais chercher ce qu'il a mangé, et je vais manger ce qu'il a mangé. Est-ce que cela veut dire que je vais chercher le type d'habillement que Christ portait, et je vais maintenant porter ce type d'habillement? La chose primordial dont il est en train de parler, c'est que ce que Jésus-Christ a accompli, ce que Jésus-Christ a suivi le chemin, il a suivi ce qui est écrit. C'est à toi maintenant de découvrir ce qui est écrit concernant les chrétiens, ce qui est écrit concernant les appelés, ce qui est écrit concernant les disciples de Jésus-Christ. Et maintenant, tu accomplis objectivement et passionnément ce qui est écrit te concernant les appelés. Je vais monter deux mots de ce mot, l'appel, Romains chapitre 1, dans Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, le verset 6, Romains 1, 6, Romains 1, 6, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés. Ce n'est pas que vous êtes seulement dans les appelés ou parmi les appelés, mais vous avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un appelé. Je n'entends pas notre peuple. Il t'a appelé et tu as répondu à l'appel. Tu es un appelé et tu découvres cet appel. Tu découvres ce qui est écrit concernant les appelés. Nous venons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8.
le verset 28. Romains chapitre 8. Du reste, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu? De ceux qui aiment Dieu, est-ce qu'ils sont présents là aujourd'hui? Ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, ce n'est pas qu'ils sont appelés, ils sont appelés selon son dessein. Ils ne sont pas seulement appelés en l'air, mais ils sont appelés selon son dessein. Car il dit, toutes choses concourent au bien dans ta vie. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu es sauvé. Alors tu es appelé, tu dis Seigneur, je réponds. Tu entends son appel, tu dis Seigneur, je réponds à l'appel. Je suis un appelé. Et il dit, toutes choses concourent au bien. Toutes choses vont concourir pour ton bien dans ta vie. Il veille sur tout ce qui est écrit te concernant. Tu n'es pas un hasard dans ce monde. Tu n'es pas le produit du hasard dans ce monde. Parce qu'il veille sur toi et quelque chose a été écrit te concernant. Et ces choses, les bonnes choses ont été écrites pour toi. Et ces choses seront accomplies dans ta vie au nom de Jésus. Le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pour être semblable à l'image de son Fils. Tu es en conformité avec Christ. Tu es à l'image de Christ parce qu'il a marché. Il a vécu, il a œuvré, il a accompli tout ce qui est écrit lui le concernant. Et comme tu te conformes à Christ, comme tu es semblable à l'image de Christ, maintenant tu marches et tu vis et tu accomplis ce qui est écrit, selon ce qui est écrit te concernant. Il dit, pour être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous venons dans Romains chapitre 15. Romains, le livre de Romains chapitre 15, le verset 4. Romains chapitre 15, le verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance ont été écrits pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Quand vous parcourez votre Bible, vous dites, voici ce qui était écrit. Ceci était écrit en forme de promesse. C'était écrit sous le format de commandement, sous un format de la prophétie. C'était écrit sous le format de la prière. Et ces choses ont été écrites pour les croyants qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Ta vie sera une vie de but. Romains chapitre 12, verset 17. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Vous savez pourquoi? Il n'a pas été écrit te concernant que tu vas faire du mal. Tu ne feras pas du mal. Ta vie ne finira pas dans le mal. Tu ne vas pas te battre. Tu ne feras pas un combat inutile. Tu ne mèneras pas une bataille. Une bataille qui va causer la mort prématurée dans ta vie. Parce que tu sais, cela n'a pas été écrit te concernant. Cela n'a pas été écrit te concernant. Revoyons ce verset 17 encore. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est écrit, ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Voyons le verset 17. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là ton travail, ce n'est pas ta mission. Cela n'a pas été écrit te concernant. Parce qu'il dit, mais laissez agir la colère, car il est écrit, car, dites-le-moi à haute voix, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Dieu dit, ça c'est mon domaine de prédilection, ça c'est mon apanage, ça c'est ma spécialité. Alors, tout ce qui milite contre toi, contre ta vie, laisse ces choses entre mes mains. C'est écrit que je vais combattre, je mènerai tes combats pour toi. Je combattrai pour toi. Je vais combattre, vaincre tes adversaires. Alors, tu n'as pas à perdre tes ressources, à perdre ton énergie, ta force, combattant contre ceci ou cela. Après tout,
Est-ce que tu peux combattre comme Dieu peut combattre? Est-ce que tu peux mener le combat succès comme Dieu? Dieu dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est mon travail là-bas, c'est ma spécialité. Et comme c'est moi qui dois accomplir cela, c'est moi qui dois livrer, laisse cela pour moi. Et tu vas découvrir qu'il n'y a aucune adversité qui peut t'empêcher de réussir. Aucun persécuteur ne peut bloquer ton progrès. Tu vas accomplir ta vie sans tomber dans ces mauvaises choses. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ah, ou si je le nourris, il aura plus de force, plus d'énergie pour me faire encore du mal qu'il voulait faire. Non, ça, ce n'est pas ce qui est écrit. Nourris-le et tu vas le vaincre. Tu vas le vaincre, le conquérir. Mais s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, voyez ce que est écrit. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Tout le mal, toute chose mauvaise dans ta vie est vaincue dans ta vie. C'est ce qui est écrit concernant les appelés. Voyons dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Nous lisons le verset 14. Dieu merci, ta victoire a commencé d'une manière plus nouvelle. Dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Verset 16, selon qu'il est écrit, dites-le-moi à haute voix. Vous savez pourquoi vous devez être saint? C'est parce que c'est ce qui est écrit. Vous savez pourquoi vous devez être juste? C'est parce que c'est ce qui est écrit te concernant. Il dit, parce que selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. À partir de ce jour, le chemin de la victoire est devant toi. Et ce qui est écrit sera visible, perceptible dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un là-bas crie Amen. Point numéro 3 maintenant. Personnellement, à partir de ce jour, tu prendras une décision personnelle. Découvrir personnellement ce qui est écrit concernant le conquérant, le vainqueur. Découvrir personnellement ce qui est écrit concernant le vainqueur. Nous allons revenir dans Luc chapitre 4, 17. Luc chapitre 4 et nous lisons le verset 17. Dans Luc chapitre 4, le verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Il trouva l'endroit où il était écrit. Si vous devez être un vainqueur, vous devez découvrir, trouver l'endroit où il était écrit te concernant, vous concernant. J'ai des vainqueurs dans la maison aujourd'hui. Je dis, j'ai des conquérants dans la maison aujourd'hui. Des victorieux, vous êtes victorieux. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des maîtres. Vous ne serez pas défaits au jour de la bataille, dans la bataille de la vie. Romains chapitre 8, 36, 37. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Regardez ici un instant, levez les yeux. Avant que David ne vienne sur le champ de bataille,
ce qui était dans 1 Samuel chapitre 17, de plus loin en arrière, dans le chapitre 13, avant même qu'on n'entende même parler du nom de David, Dieu a dit à Samuel le prophète, j'ai rejeté Saül et j'ai trouvé un homme selon un homme plus juste que Saül. Où est-il? Où est cet homme? Chapitre 15, on ne peut pas le voir. Et alors, dans le chapitre 16, Dieu a dit, il est voir dans la maison d'Isaïe. Et où est quelqu'un là-bas pour moi? Lui, il accomplira toutes mes volontés. Et il se chantait. Il y avait les régions au ciel, dans le conseil du ciel. J'ai trouvé l'homme. Son nom est David. Au ciel, il y avait la résistance. J'ai trouvé un homme. Son nom, c'est David. Il accomplira toutes mes volontés. Et David, sur la terre, ne savait rien à propos de la joie qui avait cours au ciel, les régions qui avaient cours au ciel. Dieu t'a trouvé aujourd'hui. Et ensuite, Isaïe a fait sortir tous ses enfants pour les présenter. Et Isaïe ne savait pas que l'homme c'était David. Alors, ta famille ne sait pas que tu es l'homme, cet homme-là. Il ne sait pas que tu es cette femme-là. Mais Samuel a dit, alors, l'onction, cet homme-là est loin de Dieu. Personne ne prendra ta place. Je dis personne ne va te remplacer. Personne ne va te remplacer. Et Dieu a dit, ne va pas dans cette direction. L'homme est encore sur le chemin. Je suis en train de chercher l'homme. Il est sur le chemin, il est en train de venir. Nous cherchons la femme. Cette femme est en train de venir. Elle vient, elle arrive. Vous voyez, lorsque vous voyez vos enfants, il dit, tu as vu tes enfants? Il dit, c'est tous ces enfants-là. Il dit, il y a un autre très petit, c'est le plus jeune de tous. Et nous ne pouvons pas penser que c'est lui. Que quelque chose est écrit vraiment de si grand, de si profond, que ce soit pour celui-ci. Et Samuel dit, appelez-le. On l'a appelé et il apparut. Le jour que vous allez paraître, le ciel va vous reconnaître. Et Dieu dit, voici mon homme. Il n'est pas comme les hommes le pensent. Voici l'homme, voici cet homme. Tu vas accomplir l'appel de Dieu pour ta vie. Et Dieu dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Dieu, à partir d'aujourd'hui, t'a trouvé. Je dis, Dieu aujourd'hui t'a trouvé. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas encore sauvé, comme il a parlé concernant Cyrus, avant même que Cyrus ne connaisse le Seigneur, et Dieu a dit, je connais cet homme, il t'a amené aujourd'hui pour t'annoncer, pour t'informer que ta vie a commencé aujourd'hui, une vie, a commencé une destinée précise, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Si vous êtes déjà sauvé, gloire à Dieu, vous êtes venu aujourd'hui pour comprendre que le ciel t'observe. Le ciel t'observe, Dieu t'observe aussi. Tu es l'homme, la femme que j'ai trouvé. J'ai trouvé l'homme, j'ai trouvé la femme. Et tu vas accomplir tout ce que le Seigneur a déjà écrit complètement te concernant au nom de Jésus. Romains chapitre 6, les vainqueurs, tu es un vainqueur. Tu vas vaincre le péché. Où est mon amen? Romains chapitre 6, le verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché, notre vie est avec Christ. Nous sommes avec Jésus-Christ. Voyez ce qui est écrit concernant l'appel. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Il ne va pas régner. Je suis un vainqueur. Je dis, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Car le péché n'aura point de pouvoir sur moi. Personnellement, ne fais pas le jeu. Ouais, nous, les vainqueurs, nous ne faisons pas le jeu comme ça. Péché sort et il est parti au nom de Jésus. Vous allez avoir la victoire comme un vainqueur sur la maladie. Sur les mauvais esprits. La maladie ne va pas raccourcir ta vie.
Tu étais appelé pour un but. Tu étais appelé pour comme un homme et une femme de destinée. Comme un homme, une femme de destinée. Et tout ce que tu suis, tu vas achever ce que tu as commencé avant de quitter ce monde. Et quand tu auras fini ta course, tu vas quitter triomphalement. Tu vas quitter la terre triomphalement. Tu vas quitter comme un fils, comme une fille du roi. Et comme tu es en train de rentrer au bercail, alors le ciel va s'arrêter. Tu vas retenir l'attention. Le ciel va se lever à côté de toi pour dire il vient, il revient, elle revient. Et elle a suivi les traits de Jésus-Christ. Il a suivi les âmes de Christ sur la terre. Et il a accompli tout ce qu'il devait accomplir. Et lorsque vous allez entrer au portail du ciel, glorieusement, vous allez entrer au ciel au nom de Jésus. Matthieu chapitre 18. Dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, je lis le verset 18. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. C'était écrit me concernant. Je dis ceci a été écrit me concernant. Pourquoi avez-vous le bic et que vous n'utilisez pas ce bic? Pourquoi vous avez le livre et vous ne lisez jamais ce livre? Pourquoi avez-vous l'autorité et vous n'utilisez jamais votre autorité? Pourquoi, comme quelque chose t'a été donné comme don et ce qui a été écrit pour toi en particulier et tu ne le fais pas? Verset 18, vous allez vaincre toutes les batailles et les combats de votre vie. En vérité, je vous le dis. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Le verset 17. Les mauvais esprits vont se prosterner quand vous venez. Vont fléchir genoux avant que tu n'ouvres la bouche, avant que tu donnes l'ordre, avant que tu ne fasses le décret, tu ne décrètes parce que c'est écrit te concernant. Est-ce que tu es présent? Tu es là? Êtes-vous là? Où est-elle? Où est-il là-bas? L'autorité va te suivre à la maison. C'est écrit me concernant les vainqueurs. Luc chapitre 10, le verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, une joie, je dis la joie de ton âme, la joie dans ton cœur, la joie dans ton travail, la joie dans tes études, la joie dans ton école, la joie dans ton chemin, sur ton chemin. La prochaine fois, quand tu reviendras ici, tu reviendras avec des témoignages de joie. Et les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il s'agit là de ce qui a été écrit, c'est ce qui doit être. Nous sommes des vainqueurs. Et c'est écrit, nous concernant. Il dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, le poison ne va pas te tuer. Et rien, l'accident ne va pas te tuer. Et rien, le désastre ne va pas te tuer. Et rien, rien qui n'est pas défini pour toi ne viendra sur ton chemin. Les attaques, les afflictions, les puissants de ténèbres, les mauvais esprits, ils ne sont pas créés pour toi. Ils ne viendront pas près de toi au nom de Jésus. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ton nom est là-bas. Je dis ton nom est là-bas. Jean chapitre 8,
ce qui est écrit concernant Jean chapitre 8, le verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Jésus lui a posé une question. Personne ne t'a-t-il condamné? Les appelés ne seront pas condamnés. La justice ne va pas te condamner. Les ennemis ne vont pas te condamner. Les pharisiens ne vont pas te condamner. Les religieux ne vont pas te condamner. Peut-être on voulait la lapider. Et ils ont dit, on a arrêté cette femme en flagrant délit du péché. Jésus ne répondra pas à tes accusateurs. Et Jésus a gardé silence. Il comptait pas dire, que dis-tu? Il a regardé, il écrivait, il a regardé, il dit, que celui parmi vous qui n'a pas de péché, vous savez la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, que celui qui n'a pas péché, qui soit le premier à lui jeter la pierre. Jésus-Christ a pris la résolution. Il a dit, cette femme, il avait déjà décidé que cette femme sera pardonnée. Et Jésus a dit, après ça, dit, regarde mon frère là-bas, regarde mon ami là-bas, tu seras pardonné. Regarde-le là-bas, regarde-la là-bas, tu seras pardonné. Et tous les accusateurs ont disparu un à un, l'un après l'autre. Et Jésus a posé la question à cette femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle dit, non Seigneur, non Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. À cause de la croix, je ne te condamne non plus. Et à cause du sang qui a coulé pour toi à la croix du calvaire, je ne te condamne pas non plus. Le pardon est venu à chacun. Le salut est arrivé pour tout un chacun. Et maintenant, regardez ceci. Ce qui est écrit concernant pour ceux qui sont sauvés. Va et ne pêche plus. Quelqu'un là-bas, donnez-moi un grand amen. La puissance du péché est brisée dans ta vie, est déplacée de ta vie au nom de Jésus. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, ce qui est écrit concernant les vainqueurs. Romains chapitre 16, verset 20. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Le Dieu de paix, il te donne la paix, il te donne le salut. Il écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Quelqu'un là-bas, que quelqu'un dise amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la grâce aille à la maison avec toi. Que la grâce pour conquérir te raccompagne à la maison. La grâce pour vaincre te raccompagne à la maison. La grâce pour être un plus que vainqueur te raccompagne à la maison au nom de Jésus. Nous avons appris que Christ n'est pas mort pour nous rendre faibles, pour nous rendre mauvais, pour faire de nous des esclaves ou des captifs. La parole écrite n'est pas donnée pour nous garder à terre, pour nous rendre moins ordinaires que nous sommes, pour nous rendre des hommes ordinaires. Mais nous serons plus forts que tous. Il est écrit, afin que nous soyons plus que vainqueurs. C'est écrit que nous soyons un conquérant, pour que nous soyons un victorieux, pour que nous soyons des maîtres. Et nous sommes appelés pour vaincre. Je suis appelé, je dis je suis appelé pour être plus que vainqueur. Je suis appelé pour être un conquérant. Tu es appelé, nous sommes convertis, nous sommes commissionnés pour conquérir, vaincre et vaincre le péché. Je conquiers le péché, je tourne le péché. Je triomphe des mauvais esprits. Je triomphe de toutes les forteresses. Je triomphe du moi. Je triomphe de l'égoïsme. Je triomphe des ombres et les superstitions. Je triomphe des étrangers. Une femme étrangère ne prendra pas contrôle de ta famille. Une personnalité étrange ne prendra pas contrôle de ta vie. J'ai vaincu la myopie. Il y a des gens
Ils disent, j'ai vaincu. Des gens qui disent, je ne vois pas, j'ai vaincu la courte vision. Des gens qui ne peuvent pas voir loin, ils ont la myopie. Je prie que le Seigneur va ôter tous ces écailles de vos yeux au nom de Jésus. J'ai vaincu l'esclavage. J'ai vaincu la servitude. Maintenant, revenez dans le chapitre 4 de Luc. Luc chapitre 4. Revenons dans Luc chapitre 4, verset 17. Luc 4, 17. Et voici ce que vous allez personnaliser. Il dit dans Luc chapitre 4, le verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Il trouva l'endroit. Vous allez trouver l'endroit. Numéro 1. Trouve ta place. Découvre ta place. Découvre ta place. Ne sois pas par-ci, par-là. Ne déambule pas. Tu as une place, une position. Et tu as une destinée de place. Une place qui t'est destinée. Découvre ta place. Numéro 2. Découvre la promesse. Il y a une promesse qui t'attend. Qui attend que tu réclames. Il y a une lettre enregistrée que le ciel t'a envoyée par poste. Et cela est pour toi. Découvre la promesse. Découvre la puissance. La puissance pour accomplir. La puissance pour faire toutes choses que le Seigneur a dit que tu vas accomplir dans la vie. Découvre l'endroit. Découvre la promesse. Découvre ta puissance. Découvre ta passion. Ne vis pas seulement comme quelqu'un qui dort pendant que tu marches. Ne marche, ne vis pas comme si tu es fatigué. Ne vis pas comme si la vie est terminée. Ne vis pas comme si la mort est en toi. Ne vis pas comme si les rêves ne sont plus possibles. Découvre ta passion. Découvre ton but. Il y a une raison pour laquelle tu es né dans ce monde. Il y a une raison pour laquelle tu es né de nouveau. Il y a une raison pour laquelle tu es venu dans le royaume. Découvre ton but, ton objectif. Découvre ton chemin. Le chemin qui conduit à la victoire. Découvre le chemin. Le chemin qui te conduit à la victoire. Découvre ce chemin. Découvre ton chemin. Découvre ton chemin. Découvre ta place. Tu as une place. Découvre ta promesse. Il y a une promesse qui t'attend, qui attend que tu la réclames. Découvre ta puissance, découvre ta passion, découvre ton but, ton objectif, découvre ton chemin, découvre ta priorité. Quelque chose sur laquelle tu vas te concentrer, quelque chose pour laquelle tu vas dire, personne d'autre ne fera cela, personne ne peut prendre cette direction. C'est voici ce à quoi je suis engagé, j'ai engagé ma vie pour cela. Découvre ta priorité. Découvre le sommet, découvre le sommet, le summum, découvre l'apothéose, le point culminant, découvre cela, découvre ton sommet et fiche-toi, attache-toi à cela, découvre la place où il a découvert la place, il trouve l'endroit où il est écrit. Et il dit aujourd'hui, le verset 20, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voici ton jour, je dis voici ton jour. Le jour des choses ordinaires, ces jours sont passés. Les jours des choses ordinaires, les jours de non-accomplissement, ces choses sont passées. Les jours de fait de déambuler, les jours d'errance sont terminés, sont passés, expirés dans ta vie. Aujourd'hui, lève-toi maintenant, découvre ton endroit, découvre ta place. Lève-toi maintenant, lève-toi. Dis au Seigneur, je découvre ma place, je découvre ma place, je découvre ma place. Découvre ta place, découvre ta place, découvre ta place, découvre ta place. Et tiens-toi là-bas, découvre ta place et occupe cette place, découvre ta position. La promesse qui t'attend, réclame la promesse qui t'attend. Tu vas vaincre le péché, tu vas vaincre la maladie, tu vas vaincre le Satan, tu vas vaincre les mauvais esprits, tu vas vaincre les circonstances et les temps, tu vas vaincre la myopie, les étrangers, les ombres, tu vas vaincre les superstitions, tu vas vaincre les forteresses. Tu es né pour vaincre, pour gagner, tu es né pour gagner, tu es né pour vaincre. Découvre le chemin, découvre le chemin, découvre le chemin qui conduit à l'endroit, à la destination où tu dois être. Tu ne seras pas une personne inutile, un nulard, tu ne seras pas quelqu'un qui est seulement là. Tu découvres ton chemin, découvre ta place, découvre ta place, découvre ta place, découvre ta place, marche le chemin, marche dans le chemin, tu vas vaincre. Dieu Seigneur, tu es né pour vaincre, tu es né pour vaincre, pour surmonter. Découvre ta place.